L'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension également sont des facteurs de risque reconnus sur le plan neurovasculaire et également des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer et de déclin cognitif. De ce fait, il est extrêmement important de les dépister premièrement et de ne pas attendre d'être extrêmement âgé pour cela, mais dès la quarantaine ou la cinquantaine, d'aller voir son médecin traitant pour se faire prendre la tension, la glycémie, une prise de sang à la recherche d'une hypercholestérolémie, également se peser régulièrement et demander à son médecin traitant ce que l'on peut faire pour améliorer ces différents facteurs. Grâce à cela, eh bien, on pense que l'on peut retarder la survenue d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer et préserver également le fonctionnement de son cerveau.